Donc, félicitations pour votre signature livre, ça, moi, qui fait un gros succès dans la ville de notre Miami. Oui, effectivement. Et moi, j'ai remarqué que un peu le monde répond à l'invitation du maire Smith Joseph, qui était invité pour me faire parler à la communauté, pour me dire que ça m'a déjà coûté pour la diaspora en Parlement. Moi, bien content et que tout le monde soit venu. Parce que le message a passé. J'ai eu l'opportunité pour me présenter un pamphlet que m'écrit et qui décrit qui plan que j'ai en Parlement pour la diaspora. Nous pas trop long, mais nous avons rappelé que nous avons trois objectifs. D'abord, c'est bataille pour que les Haïtiens qui vivent dehors soient capables de voter. Deuxièmement, c'est travail avec un ensemble de collègues sur l'autre loi sur nationalité qui peut venir compléter la Constitution. Puisque la Constitution admet double nationalité, mais il est référé à la loi sur la nationalité qui est même incomplète, obsolète. Et troisièmement, une proposition, je suis capable de dire, quasi révolutionnaire, dans le sens que il y a l'autre monde qui a proposé déjà, mais fois ça, je pense que. Il faut que nous réalisions. C'est possibilité pour nous, les Haïtiens qui vivent dehors, la capacité pour nous avoir un propre représentant dans le Parlement. Et c'est absolument possible grâce à une réforme constitutionnelle. C'est pour ça que je lance un site internet qui est diasporaladan.org. Tout Haïtien qui vivent dehors, qui a supporté l'initiative, doit monter en ligne et puis pour signer une pétition.